Ah, Maurice Canto. Le président Maurice Canto, excusez-moi. Son Excellence Maurice Canto. Le discours de Maurice Canto, là, ça n'a pas tenu la route. Moi, personnellement, moi, son discours, là, ça m'a fait un genre. Je m'interroge sur le discours de Maurice Canto. Sérieusement, je m'interroge. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec euh, le président Maurice Canton? Qui a écrit son discours là, même Qui a écrit son discours là? Il ah, y a un petit parti là qui n'a pas d'humbug dans ma tête. Il y a un petit parti là qui m'a traumatisé un peu là. Je ne comprends pas. Hmm? Ça fait en sorte que que les gens réfléchissent, que parfois, quand j'analyse certaines choses, je commence à le regarder un jour. Je commence à réfléchir un jour. Avec son discours-là, ça m'amène encore dans cette posture-là. Ça m'amène dans cette posture-là. Et en tant que Camerounais, j'ai aussi le droit de m'interroger. J'ai le droit de m'interroger. Hein? Mais Maurice Camto, ton discours que tu as tenu là, ça montre que tu es trop dans l'émotion. Tu es mu, tu es trop soft pour être un oppositional leader en face de uh, cette tyran-là. Tu es trop soft. Avec des gens comme ça, tu ne peux pas être émotionnel. Ou bien, bien c'est la politique, c'est toujours ça la politique. Que oh, no, que je l'ai déjà, <coughs> je, je déjà euh, dit depuis 2000, quand, quand, que, bon, si je deviens un précédent, je veux protéger mon papa, je respecte son âge, je veux le protéger avec toute sa famille et ceci, cela. Ah bon, tu vas le protéger, bon. Ce qui m'inquiète, tu vas le protéger, c'est bien. Bon, maintenant. Toi-même, tout ce sais que le pays là n'est pas contrôlé, n'est pas dirigé par, par ces papas-là. Sans clair dans ça, ce n'est pas lui qui dirige le Cameroun. Donc quand tu tiens ce genre de discours-là, je m'interroge, je, je me demande si toi-même, tu, tu veux devenir président ou bien tu es dans un mamaï avec les Camerounais. Ou bien tu es dans un moment avec les Camerounais. Premièrement, même, les gens qui ont réussi à, à, à rouler les anglophones pendant près de, de 40 ans, avant qu'on a ouvert nos yeux, on était déjà dans les sacs. Avant qu'on ouvre nos yeux, on était déjà dans les sacs. Ils ont réussi à rouler tous les Camerounais. Tu penses que si c'est la politique, si ton discours-là, c'est un discours <coughs> politisé. Hmm? C'est un discours politisé. Tu penses que ça peut les prendre facilement comme ça Que non, ils vont bon, ils vont mettre en que, oh, Comme euh, vraiment, on pense, je pense vraiment que on pense vraiment que comme les camionneurs sont des ces types. Bon, on va prendre ce risque-là. On sait que il va nous, il va protéger le président avec sa famille. On va on va le laisser prendre le pouvoir. On va le laisser entrer à étudier. Il nous a promis. Il nous a promis qu'il va protéger le président et sa famille. Donc, tu penses vraiment que les gens l'ont réfléchi comme ça? Bon, tu vas, protéger, tu vas protéger lui et sa famille et son gang-là qui va les protéger alors que le pouvoir, est, le pouvoir est entre les mains. Donc, si ton discours même était vraiment réel, si ton discours était vraiment réel, ça veut dire que tu devais faire un discours en sorte que tu devais dire que je vais protéger tout le gouvernement de bien si devient précédent. Si ton discours était vraiment réel, c'est ce que tu allais dire. Je vais protéger tout le gouvernement de biens si je deviens précédent. Donc, ça veut dire que bon eux, le pouvoir est entre les mains. bien, le contrôle plus rien. Et bien, le contrôle plus rien. Gongong est là. Chantal est là. Franck est là. Hein? Tous ces gens-là, ils sont là-bas. Toi, tu viens, tu tiens un discours. Si je deviens président, je proté veux protéger le président et ses enfants et toute sa famille. Ou bien, ta fa sa famille-là, tu veux parler de, de, de Ferdinand Gongong. -Gong, les, les Roland et so, et tous ces gangs-là, c'est eux que tu veux protéger ou bien tu veux juste te protéger. Si tu deviens président, tu vas juste te protéger Bia et sa famille. Et ceux maintenant qui détiennent le pouvoir, tu penses qu'ils vont te donner le pouvoir. Comme ça, tu deviens président et tu montes sur la tête. Hmm? Tu les condamnes. Right? Tu sais très bien que c'est eux qui ont le pouvoir. Ce n'est pas Bia. Bia a quel pouvoir? Pour, pour tout ce que Bia a, c'est sa signature et son image. Il réfléchit quoi Il peut encore réfléchir. Ici, là, en Europe, les blancs qui vivent avaient toujours des médicaments, toujours des choses. Ils ont toujours des machines, toujours des hôpitaux et tout ça là. Depuis qu'ils sont nés, mais finit toujours dans ce qu'on appelle les hotehain, des maisons de vieux là. Je sais pas comment on appelle ça en français. C'est là-bas qu'ils sont. On doit s'occuper d'eux parce qu'ils ne se rappellent plus. Ils ne peuvent il plus, il plus vivre seuls. On s'occupe maintenant comme de bébés. Appareil H. Donc tu connais très bien que ce n'est pas Bia qui gouverne ce pays. Mais quand tu tiens ce genre de discours-là, que si, de, si je deviens président, je veux le protéger, lui et sa famille. Tu vas faire comment avant de devenir président-là Tu vas passer par où Devenir président et protéger rien que lui et sa famille. Le gouvernement, là, ceux qui sont en train d'en profiter, là, tu vas les garder où oh. Tu devais même plutôt dire que si je deviens président, il veut protéger tous ceux qui ont déjà travaillé dans le gouvernement de Bia. Et ceux qui sont à Colombie, il veut les enlever, il va aller vivre avec les familles. Là, les gens, là, pouvaient même réfléchir encore. Ils pouvaient même encore réfléchir. Même comme ils savent que c'est la politique, c'est maille que tu as en de parce que les gens là sont intelligents. Je dis que les gens nous ont roulé dans la boule pendant les années. Nous, on n'a rien compris. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Même ce type là, lui-même, il avait dit que ce n'est pas qui veut, ce qui peut. Ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Dans son petit discours que tu as, tu as tenu là, tu penses que ça peut le, le mamailler comment Et quand je parle de lui, je ne parle pas de lui, je parle de son entourage. Parce que c'est son entourage qui gouverne le Cameroun, ce n'est pas lui. Hum? Nous allons te faire confiance. Nous allons tout dire. Mais lorsque vous tenez ce genre de discours-là, hein. vraiment, les gens qui réfléchissent doivent réfléchir. Je sais que les Africains sont pleins d'émotions. Lorsqu'ils aiment quelqu'un, la personne peut même tuer même ses parents. Ils vont toujours applaudir la personne. C'est ça, qu ça qui fait en sorte que... L'Africain n'avance pas. C'est ça qui fait en sorte que l'Africain n'avance pas. Parce quand on aime, on devient aveugle. On fait semblant de ne pas voir certaines choses. On ne dénonce pas certaines choses. Quand tu aimes quelqu'un, il faut toujours le dénoncer. Nos, même nos parents nous frappaient quand on faisait les choses qui n'étaient pas bonnes. Ce n'est pas parce qu'ils nous détestaient, ce n'est pas parce qu'ils étaient contre nous. Un bon gouvernement doit aimer qu'on le critique. Parce que c'est en le critiquant qu'il a les nouvelles idées, les nouveaux idées de créer certaines choses. Mais un, un gouvernement qui n'aime pas de critique, ça veut dire que c'est un gouvernement qui ne veut rien faire pour son propre. Qui ne veut rien faire pour son propre. Parce que même un bon musicien, quand il sort un monceau, on le critique, il est content parce que il sait que désormais, il va se va battre pour sortir quelque chose qui est plus mieux que ça. Même ici en Europe, quand on ne critique par les gouvernements, sont pas les, les gouvernements, les choses ne vont pas marcher. Les gens, parfois, on vient même dans ta maison pour te poser certaines questions. Les gens sont déjà venus ici chez moi plusieurs fois que tu fais, tu fais tu fais tu fais quelque chose tu fais tes travail on te paie bien on te, est, ça se passe comment là bas bon il y a des temps quand tu prends le sous il vient le sous-saï quand on te paie, là l'argent là ça te suffit quand tu pars pour remplir les formes, les, formes, <coughs> les 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 les, les, formes, les formes là quand tu pars pour remplir toutes ces formalités là formalités, euh, formalités là ça se passe comment est-ce qu'on te stresse parce que tu es étranger tu, parce que tu, tu, tu es étranger et toutes ces choses on contrôle Hein? On va entendre les critiques, parce que ce n'est pas les critiques qu'on arrange les choses, qu'on peut aménoriser euh, les choses. Donc ça veut dire alors que même si on aime Boris Canto, même si on veut que Maurice Canto devienne président, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le critiquer. Ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Son discours -là ne tient pas la route. Son discours, son petit parti-là, il ne sait pas, j'ai il n'est pas là, mais le petit parti-là, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Premièrement, en, en disant ça, on te bloque encore la route. Puisque ce n'est pas bien que vous ce pays. En, disant, en, ten, en, en tenant ce genre de discours-là, ta route est d'abord, on sait encore les vices. Que, ah bon? Donc toi tu vas devenir président et nous tu vas nous garder. Ou tu vas garder ces vieux-là avec ses enfants. Tu penses que les gens qui sont entourés de Bia, là, ils, ils aiment trop bien avec sa famille. Tu penses qu'ils aiment trop bien avec sa famille? Tu ce que toi tu penses. Et moi en tant que ça, dit que bon, viens, ouais, ouais, on va tout faire pour que tu deviennes président. Comme ça tu vas continuer, à, même si c'est son cercueil, même si c'est son, 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 son tombeau, tu vas continuer à garder avec ses enfants. Et nous maintenant, tu, si tu veux, même, tu nous. Tu fais même le saut avec nous, il n'y a pas de problème. Tant que tu gardes bien. Tu penses que c'est ce qu'ils eh, vont dire? Tu penses que c'est ce qu'ils eh, vont dire? Et en plus, même, dans un pays, dans un pays comme le Cameroun, dans un gouvernement comme le Cameroun, un leader ne peut pas être émotionnel.

Arriver à un certain niveau, il faut maintenant faire il faut maintenant faire des trucs, vous savez, il faut maintenant faire des trucs avec des pays comme la Russie pour devenir rebelle. Ce n'est pas dans la politique que vous allez changer le gouvernement. Là. Pendant 100 ans, 200 ans, ça va, jamais tomber. jamais tomber C'est seulement dans la politique. Vous allez utiliser quel genre de politique. Vous allez mamailler ces gouvernements-là. Comment vous allez faire quoi Il y a certaines choses qui peuvent faire tomber ces gouvernements-là. Soit l'opposant, les opposants comme Maurice Camto, les opposants comme Maurice Camto, soit ils portent les armes, soit ils portent les armes, qui tombent dans l'émotion l'autre jour j'ai parlé ici là j'ai parlé de euh, Sébastien Ebala ouais pour lui là bon je pour lui là je ne peux pas il faut savoir lire les choses Sébastien Ebala a mené un combat noble après le gouvernement là lui a pris Et nous tous nous connaissons ce qui se passe dans ce gouvernement là je pas parler de mes frères anglophones qui on a partout au Cameroun on les tabasse avec les marteaux dans, euh, dans les prisons. On parle on pas creuser les trous. On les verse dedans. Certains on parle parle les sacrifier euh, et tout. Ils ne veulent pas parler de toutes ces choses. Mais ce sont des choses qui existent. Ce sont les choses qui se réalisent, qui, qui se passent, qui passent chaque jour. Attendez que ce gouvernement là tombe. Les gens vont parler, vous allez comprendre. Il y a les gens qui connaissent ces choses, mais ils ne peuvent pas parler. Quand mon autorité est tombé ici-là, Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de ces ministres? Mais est-ce qu'on pouvait imaginer ça? N'est-ce pas? Ils étaient là, ils souriaient, ils étaient tout, tout avec, avec le président? Mais quand vous êtes tombés, eux-mêmes, ils ont dit certaines choses. Ils ont dit des choses graves. Comme Blesse comparée. Quand Blesse comparée a fui le Burkina, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Donc, penser que chez nous, là, ça serait, ça serait autrement. Ça serait plus pire. Par là. L'un, <coughs> euh, le gouvernement là, ils ont d'abord un plan de faire diminuer les anglophones. Nous diminuer encore. Comme ça, on n'a aucune, on a aucun pouvoir, on n'a rien à dire. Bah, ils savent que les anglophones ne sont pas comme des francophones. Vous-même, vous voyez dans tous les pays anglophones ce qui se passe. Quand ça ne va pas, les gens s'élèvent. Même au Nigeria là. Tous se soupersta ki yon tout, yon tout les honneur. Me kan le gouvernment <coughs> déborde un peu la, et tout se sorte. Et tout se sorte. Son pa la ke non, paske mon onke gouverneur se ou bien, mon onke minis se ou bien ki se se la. Non, je dois pa pale, paske ma tante senate, non, 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 non. Kasa ni va pale, tout se leve. Pare son des anglophone, des anglophone son kom sa. Les anglophones protègent leur dignité. On ne se laisse pas comme ça. On ne vend pas nos armes facilement. Donc, ils vont tout faire. Ils ont un programme de diminuer encore les, 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 les anglophones qui sont au Cameroun. Ils ont un programme de les diminuer encore, les rendre encore plus faibles. Dans ces guerres, ils ont tué des garçons fatigués. Les jeunes, 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 frères, ils ont les ont tous éliminés parce que les femmes ne peuvent rien faire. Les femmes vont seulement finir par épouser les francophones. Donc, il faut éliminer, ils ont tué beaucoup. Il y a beaucoup de choses que les gens qu'on ne dit pas. Mais c'est là. Ça se réalise chaque jour. Hum? Donc voilà pourquoi je parle de ce type. De ce, le président Maurice Kanto, voilà pourquoi je parle. Que je, le, je peux lui faire confiance. S'il si devient précédent. Parce que, en réalité, si. Maurice, quand on devient président, il va changer beaucoup de choses. Le Cameroun va, va, va évoluer. Les Camerounais seront contents. Il va, il va développer le Cameroun. On va en profiter de beaucoup de choses de nos intelligences. Regardez ici en Europe, regardez ici en Allemagne. Partout, les ingénieurs, ce sont les Camerounais. Partout. Les anglophones, les bambliqués, les anglophones, ici, là, les banquiers ici, là. Les anglophones sont en train d'acheter les maisons partout, ici, là. En Allemagne. Ceux qui ont fini les études, sont devenus des ingénieurs, des docteurs, ils achètent les maisons. Partout. Ils achètent les maisons partout. Voilà les gens, voilà les ressources du Cameroun. Mais ils sont obligés de rester ici-là. Ils sont obligés de rester ici-là. Donc c'est ça qu'il dit, donc, un opposant dans un pays... Comme le cameroun ne doit pas être émotionnel ne doit pas être si mûr sauf very soft, comme maurice canto ce que ça veut dire ce que ça veut dire que les choses ne vont pas que je ne sais pas s'il est vraiment je peux pas le confirmer mais j'ai doute j'ai doute s'il est vraiment 100% un opposant il veut vraiment être président, il veut vraiment que les choses changent. Il pense que c'est en passant par cette manière là qu'il va devenir président. Il est si intelligent pour, pour réfléchir plus que moi. Sauf a une autre idée, sauf a un autre plan. Mais je ne vois pas, dans ses discours qui tiennent et toutes ces choses-là, il ne voit pas quelque chose qui peut, qui peut faire en sorte que lui devienne président du Cameroun. En tenant ce genre de discours-là. Ce qui va tenir, ce qui va faire les discours jusqu'à, même s'il si va vivre 100 ans, il sera en train de faire le discours comme ça, il ne va, va jamais devenir président. S'il continue dans ce genre de choses-là. Ou bien tout ça n'est que pour nous endormir, qu'on continue toujours à rêver que Maurice on va changer les choses un jour, que les Camerounais ne se lèvent pas. On continue à à à, à, à l donc on continue à rêver. pour que les gens ne réfléchissent ne réfléchissent pas autrement. Qu'on peut encore faire quoi en dehors de ces, en, en dehors d'un de que Moïse quand on devient précédent. Qu'on peut encore faire quoi? Ça c'est pour nous endormir. Voilà pourquoi elle est là pour nous endormir. Parce que des trous. Dans l'émotion. Il pouvait. Il dit que, en tant que normal, en tant qu'un opposant, en tant que quelqu'un qui veut vraiment changer les choses au pays, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se réalisent dans ce pays-là, que je ne vois pas notre cher Maurice Kanto se prononcer là-dessus. Et je m'interroge. Il ne le voit pas se prononcer là-dessous. Il y a les choses qu'on qu appelle même récupération politique. Récupération politique. Il ne le fait pas. Il peut comprendre le cas, le cas de, de la base. Parce que normalement, il ne pouvait pas mélanger son parti politique avec la base. Parce que la base est, est, était un peu comme. Je ne sais pas s'ils si existent toujours parce qu'on ne le voit pas. Mais la base était un peu comme des activistes. Mais Maurice Campos, c'est un politicien. ne ça parle de, de politique là. Soit tu continues à jouer ta politique et tu vis de ta politique, ou bien tu, 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 tu deviens vraiment un politicien radical que tu veux vraiment être le président pour changer les choses. Parce que là, tu n'es pas radical. Et si tu, tu, tu es un opposant, opposant à un régime comme ça, tu dois être radical. Tu dois être radical, mais quand tu es comme ça, les Français vont dormir, les Américains vont dormir, tous ces gens qui gardent bien. Ils vont dormir eux-mêmes, parce que toi, tu es là, tu es mûr. Tu viens souvent, tu fais un petit discours. Vraiment, j'aime, euh, je respecte l'âge bien. Vraiment, je le promets que si deviens président, il va le garder même son tombeau, il veut laver ça chaque jour, il va donner à manger à ses enfants. Non, ils vont vivre sans problème. Non, 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 laisse ça. Ça ne ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. C'est la peur. La peur qui peut faire changer les choses. La peur. Mais ce que tu. Le discours que tu tiens là, ça ne fait pas à qui? Ça ne fait pas à qui? Mais ils vont se coucher tranquillement chez eux. Tu vas tenir ça jusqu'à devenir même 100 ans, jusqu'à pendant 100 ans, ça ne va rien changer. Et les Camerounais seront toujours. La tendance est canto, la tendance est canto. Oui, bien sûr que la tendance pouvait être canto. Je n'en disconviens pas l'Antenance pouvait être canton. Mais il va faire comment avant d'arriver là-bas? Étant comme ça. Étant dans ce genre de, de choses-là. Il est trop mûr. il est tout soft. Il doit être radical. Avec un gouvernement comme ça, avec un régime comme ça, avec un régime tyrannique. Un opposant doit être radical. Sinon, rien ne va se, ne, ne va se réaliser. Hmm? Mais alors, si tu as peur, il ne faut pas être opposant. Si tu as peur de ta vie de ta famille, il ne faut pas être opposant. Parce que quand tu es opposant, tout fait en sorte que les milieux des Camerounais comptent sur toi. Alors que tu as peur. Alors que tu as peur. Tu devais, être, même, tu devais même déjà être avec les anglophones. S'il a des choses, des pactes, des choses avec la Russie pour avoir les armes, pour faire descendre ce régime, normalement, ou bien tu devais déjà inciter les Camerounais à sortir. Tu devais inciter les Camerounais à sortir là-dehors. Tu ne le fais pas. Hmm? I don't want to disrespect you je suis à plein des Et si ça suffit ce game, c'est comme si c'était un jeu. Parce qu'on ne voit pas l'avenir. L'avenir, c'est où Tu as quel plan politique, pla quel plan radical pour devenir précédent Et c'est pendant combien de temps Ou bien le Cameroun, ça ne concernait pas les anglophones. Ça ne concernait pas les anglophones. En tant que. Un opposant qui veut dire président pour tous les camerounais tu ne pouvais pas passer trois mois sans parler de ce qui se passe au nos de dénoncer c'est là-bas que tu devais déjà t'appuyer même d'abord mais tu ne le fais pas je m'interroge il y a beaucoup de choses que je ne veux pas parler parce que tous sais, ces Africains, comme je le dis quand ils sont avec euh, quand ils aiment quelqu'un, quand, quand ils font confiance à quelqu'un, tu ne peux plus critiquer la personne. Tu ne peux plus critiquer la personne. Même si la personne, tu l'es, famille, il ne faut pas critiquer. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on est toujours derrière. C'est ça qui fait en sorte qu'on est toujours derrière, on est toujours derrière. Parce que même si tu aimes quelqu'un, tu le critiques. Tes parents qui t'ont frappé, là, ils t'ont frappé pas parce qu'ils t'ont détesté. Ils t'ont critiqué, ils t'ont frappé. C'est pas parce qu'ils t'ont détesté. Parce que tu es détesté. Parce qu'ils voulaient être plus meilleur. C'était parce de l'amour. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu t'en fous de ce qu'il fait. Tu t'en fous, fous de lui. Mais quand tu aimes quelqu'un là, tu ne, tu ne le laisses pas tranquille. Hein? Quand tu aimes quelqu'un là, tu, pas, tu, tu, tu ne fais pas clair sur ces su, su, mouvements. Nous aimons, j'aime Maurice Camto. Je souhaite qu'il soit président parce que je vois l'avenir en lui. Je sais voit l'avenir du Cameroun en lui. Mais sa, sa manière, sa façon de faire sa part de politique, là, avec ce genre de régime, là ça ne m'arrange pas parce que c'est qu'avec ça, là, il ne va jamais devenir président. Ou je sais des trucs. Avec ça, il ne va jamais devenir président. It's going to be like a game. Ça serait comme si entrait des joueurs avec nous. Lui-même, il connaît que... Dans cette façon-là, il ne va jamais arriver à étudier. Il doit inciter les Camerounais à devenir radical contre ce régime pour que les choses changent. Je le ces moyens, dans tous les pays au monde, même l'Allemagne que nous vivons là, même ça, si les, les, les Européens se sont levés ils sont devenus radicals. Avant que les choses ont changé. La politique vient à bien. La politique est bien quand le pays est déjà, quand le pays va bien. La politique là, on peut faire la politique. Mais quand le pays est comme tel qu'il est au Cameroun, la politique ne va rien faire. Allez vous inscrire, faites tout ce que vous voulez, ça ne va rien changer. Ça va partir que de pire en pire et en plus même. Moi, je Son ex-lame, moi, je suis Il a dit que si tu devient président, il va protéger Bia et sa famille. Mais tu oublies que ce régime, ce type a autant fait du mal. Son gouvernement a autant fait du mal aux Camerounais. Au moins, si tu es prêt à protéger Dia euh, et sa famille, si tu deviens président, donc tu le pardonnes, tu le protèges, comme tu le dis, tu vas faire alors comment Avec les Camerounais, le milieu de Camerounais qui l'a détruit, right? la vie. Toi, tu décides, toi, qu'on doit, doit te supporter, que tu le protèges. Mais tu ne demandes pas. Ce que, nous, ce que nous pensons de ce qu'il a fait depuis 40 ans avec nos vies, nos frères qui sont morts au désert parce qu'ils fuient la mauvaise gouvernance, il fuient la souffrance, la misère, ils sont morts au désert. Nos frères qui sont morts dans la mer, nos frères qui, qui meurent chaque jour dans les routes non construites. Nos frères qui meurent, qui meurent chaque jour. On nos. Les francophones, les billes, comme les anglophones. Tu vas les dédommager. Si tu es prêt à pardonner tout ce que quelqu'un a fait aux gens, ça veut dire que ces gens-là, tu dois les dédommager. Tu dois dédommager dé dé les familles. Comme ça, ils vont accepter que tu, tu le pardonnes. Le mal qu'il a construit, toute ce tout cette destruction, tu dois reconstruire ça avant que tu peux le pardonner. Sinon, tu t'arranges avec lui. Tu t'arranges avec lui. Donc, moi, je veux, je, veux, je veux me battre pour que tu deviennes quelque chose pour protéger celui qui m'a fait du mal. Donc moi, je veux me battre pour que tu deviennes quelque chose pour protéger celui qui m'a fait du mal, sans même demander mon avis. Donc tu vois que ton discours est un peu dictatorial envers les Camerounais. Un discours un peu dictatorial envers les Camerounais. Et tu décides de toi-même. Tu ne demandes pas notre avis. Que je te protégerai. Non, 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 non. Ce pas comme ça. On ne tient pas à ce genre de discours-là. On ne tient pas à ce genre de discours-là. Quelqu'un qui a détruit les vies humaines pendant les 40 jours derniers, les siècles. tu décides que tu veux être quelque chose pour le protéger. Et les, et les gens qu'il a dessus là, tu vas les dédommager Tu vas faire comment avec eux C'est ça qui dit que tu es trop émotionnel pour devenir président de Cameroun. Tu es trop émotionnel. étant émotionnel, tu ne vas même pas d'avoir arrivé là-bas. Et si tu arrives même là-bas, il faut pas être... Il faut être un dictateur. Il faut être dur avec les Camerounais parce que le, tous les Camerounais sont traumatisés. Les Camerounais sont déjà traumatisés depuis les années. Maintenant, il faut être dur pour les ramener à la raison. Ou bien même les enfants. Ben, tout le monde est traumatisé. Un enfant est né au Cameroun déjà étant traumatisé. Déjà, déjà étant traumatisé et, et déjà étant trop, ou bien on dit trop, ou bien très bête. c'est que les gens ont vu m'insulter. Oh, attends, le fond là, tu dis quoi eh, Il fallait 10 années, j'en fous. Surtout les femmes, surtout les femmes camerounaises. Eh, ils aiment ah, Vraiment, on dit toujours que <coughs> même l'Europe qui est là aujourd'hui, avant que l'Europe devienne ce qu'il est, par exemple, l'Allemagne, dans toute l'Europe, allemand est le plus puissant ce sont les femmes qui ont construit l'Allemagne. Ce sont les femmes. Parce qu'on avait presque éliminé tous les hommes en Allemagne. Ce sont les femmes qui ont construit l'Allemagne. Avec euh, certains turcs et russes qu'ils ont amenés pour construire l'Allemagne qui est devenu le pays le plus... l'un des pays les plus puissants au monde. Et le pays le plus puissant en Europe ce sont les femmes qui ont construit. Donc ça veut dire nos femmes doivent apaiser le cœur. Vous devez avoir autant d'amour. Ne venez pas souvent insulter les gens sur les réseaux sociaux. Ça fait en sorte que ça fait en, ça, ça porte même la malchance dans nos pays. Ça porte même la malchance parce que c'est regardez même le tribalisme. Regardez même le tribalisme, le, le tribalisme lorsqu'on parle de tribalisme au Cameroun. La majorité des gens qui sont tribalistes, la, maj la majorité des gens qui passent les temps à longueur de journée pour faire la promotion de la haine, des divisions, et inciter les gens à la, euh, au génocide, c'est toujours les femmes. La majorité, ce sont les femmes. De autant de méchanceté comme ça dans un pays. C'est ce très dangereux pour un pays, surtout quand ce sont les femmes. C'est très dangereux. Vous êtes nos mères. Pendant que les hommes se battent là, se bagarres là, c'est vous, les femmes, qui devez venir nous sensibiliser, qui devez venir nous apaiser nos cœurs. Mais c'est encore vous, qui venez, vous venez encore pour inciter, pour tout mélanger, pour nyagamer, comme les Ivoiriens disent, comme les Guinéens disent, pour tout nyagamer en même temps. Et ça fait honne. Ça, ça fait tellement honte. Quand ils voient ça comme ça, j'ai la chair de peau. J'ai la chair de peau. Comment une femme peut dégager autant d'énergie négative alors que c'est elle qui met les enfants au monde? Mais ça veut dire que nous sommes finis. Ça veut dire que nous sommes finis. Les gens qui doivent venir apaiser le cœur, euh, le cœur des gens. C'est eux qui viennent encore pour s'aimer encore la haine, la division. It's horrible. It's just horrible. It's just horrible. On est obligé de venir casser nos langues pour essayer de s'exprimer en français. Parce que plus que vous avez man, man, marginalisé les, les anglophones jusqu'à jusqu jusqu un niveau que. Si tu ne te t'exprimes pas en français, qui va te... qui va... qui aura qui ton temps? Personne n'aura ton temps. Si tu es dans un pays comme ça, tu ne t'exprimes pas en français, qui va te pardonner? Et en plus, en dehors même de ça, on est obligé de s'exprimer en français parce que tous, tous les, tous les programmes qui sont au Cameroun, ça cause des francophones. Ça cause des francophones. L'homme anglophone n'est pas comme ça. L'homme anglophone n'est pas dans l'émotion, on anglophone n'est pas dans, dans l'économie. La quand ça ne va pas. On gâte tout, on recommence à zéro. On gâte tout, on recommence à zéro. Mais vous, surtout les francophones qui sont au Cameroun, parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas les mêmes choses avec les Ivoiriens. Arrêtez de vous comparer avec ces gens. Ça, c'est un peu plus digne et respectueux. Ne vous comparez pas avec ces gens. Ils ont fait leur preuve, on a vu. Ils ont fait leur problème, on a vu. On a insulté Ouattara ici, on a tout dit, mais on a vu ce qu'il a déjà fait. Là, au moins, on peut lui accorder le, du crédit. Mais vous n'êtes pas les mêmes choses. Vous, les, vous, les francophones, vous êtes des bavardes, Des bavardes. Et ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là. L'homme anglophone n'est pas comme ça. Et quand je parle de francophone, je ne parle pas de tous les francophones entiers. Je parle de la, la majorité. Je ne parle pas de tous les francophones. Je ne généralise euh, pas. Je ne généralise jamais les choses. Les gens ne sont pas les mêmes. Les plus grands commentants hein, sur la toile aussi, les plus grands activistes, ils sont des activistes, ne sont pas les combattants. Les combattants sont nos eaux. Les plus grands activistes sur la toit sont les francophones. Pré précisément, je parle des francophones du centre. Je ne parle pas des bambliqués. Les bambliqués ne sont pas les anglophones. Les, les francophones. Les bambliqués ne sont pas les francophones. Les bambliqués viennent du grasse -Fille. Et ce sont les anglophones. Ce ne sont pas les francophones. Ils s'expriment en français, mais ils ne sont pas les francophones. Vous avez déjà vu un bambé qui ne parle pas le pidgin. Vous avez déjà vu ça. Un bambé qui ne parle pas le pidgin. Ce sont nos frais directs. Bon, je m'arrête là. La personne qui voit ces vidéo, si vous voulez partager, tu partage, Si vous ne partagez, pas partager, on ne partage pas. Ce qui est que sur un jour, ça va rester sur la toit. Si toi, là, tu ne partages pas pour que les autres voient, ça va rester sur la toit. Tes enfants vont voir ça. Donc, tu ne pourras pas l'effacer. Même si tu le signales, ça va toujours rester là-bas. Là, C'est qu'il y a les gens. Il y a les gens qui sont sur la toit, qui sont des sorciers. Ils viennent regarder ta vidéo comme ça, tu t'exprimes. Oh, tu es bien, tu es chez toi, tu es calme, tout ça. Ça, 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 ça l'honneur seulement. Ils ne vont même pas comprendre ce que tu dis la sorcerie commence à manifester sur son corps. La sorcerie commence à manifester sur son corps. Mais quand c'est le blanc qui s'est comme ça, tu allais voir la magie, tu allais à partager, à applaudir, toutes ces choses. Mais quand c'est son frère noir, la sorcerie commence à manifester, à manifester sur son corps. Donc la personne qui va regarder cette vidéo, si tu veux, tu partages. Si tu veux, tu ne partages pas. Ça va arriver d'où, ça va arriver Messi